Hello, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, c'était une journée très intense, donc premier jour d'ouverture au Bon Marché. On a eu plein de monde, je suis trop contente. Du coup, ça continue jusqu'au 3 janvier comme ça, et les vendeuses sont trop mignonnes, je suis trop contente de notre équipe. Trop fière des filles ultra motivées, agréables et souriantes, donc si vous venez, vous aurez le plaisir de les rencontrer. Là, j'ai ma télé de mon Airbnb qui est en anglais. Je sais pas si on peut changer, dites-moi. Et j'ai deux nouveaux amis qui nous ont rejoints grâce au masque. Donc je vais appliquer mes petits produits, ma routine. Je vais vous montrer si ça vous intéresse. Bon, du coup, tout est là. Je vous en avais déjà parlé, mais je vais vous faire une petite story complète pour vous dire à quoi correspond chaque produit. Et j'ai réussi à vous avoir un code de réduction sur SkinCeuticals, donc qui offre moins 20% sur tout le site. Donc ça, c'est cool. Je sais que vous êtes nombreuses à vouloir tester. La première chose qui est très importante à faire, c'est de bien nettoyer et de bien démaquiller son visage après une grosse journée, longue journée avec plein de make-up. Il faut vraiment nettoyer tout ça pour aller se coucher avec une peau nickel. Ensuite, une fois que j'ai nettoyé mon visage dans la douche avec un petit gel moussant, j'utilise le Blemish Age Toner que je mets avec un petit coton. Et comme ça nettoie en profondeur mes pores. Ensuite, je vaporise le Equalizing Toner sur tout mon visage en fermant bien les yeux. Et ça va bien resserrer mes pores et faire ma peau toute brillante. Vraiment, celui-ci, il est trop bien. Je vous le conseille. Depuis quelques jours, j'ai switché ma crème hydratante avec ce sérum hydratant. Donc là, je suis en train de le tester. Je vous dirai si ça me convient. Je sais que j'aime bien la texture crème. Donc voilà, je vous dirai des nouvelles. Et ma dernière étape, c'est de mettre le petit blémish Age Défense uniquement sur les points où j'ai des petits boutons, donc mes imperfections. Et c'est tout, je ne le mets pas ailleurs parce que c'est vraiment super fort et ça éradique vos boutons. Hey, donc voici ma tenue du jour. Ma veste et mon top viennent de mon ancienne collection Naked, mais je pense que le top est toujours disponible sur Naked. Mon jean vient de Zara et mes mocassins, je les ai achetés sur Farfetch. Ils sont trop jolis. J'ai un code pour vous, donc je vais vous inscrire tout ça. Ils sont... Oh,